Et salut à tous, il y a le chat, il y a Den et tes records dans leur Nexus. On est dans notre Nexus avec nos petits cahiers et nos petits stylos. Et on a bossé dur. C'est la vidéo des OTA. Du coup, la vidéo, ouais. On prédit. Mais on dit de la merde, on gagne des points. Les OTA, c'est les petits changements qu'il y a tous les jeudis soirs sur Marvel Snap. Du coup, quand on va avoir ça, très qu'on sera dans le bus ensemble. Oui, donc on verra si on peut trouver. En fait, je pense qu'on verra en fonction du monde qu'il y aura dans le car. Ouais. Ou quand on fait une pause, on fait une express vidéo. Une vidéo ouais. Salut à tous, la vidéo de nous sommes actuellement à la frontière franco-belge. On va se faire arrêter par un gros allemand qui va faire die, tu vois. Ou les morts. On fera quand vous serez arrivés les recap et tout, c'est pas. Allez-y. Voilà, ne vous inquiétez pas si dans le chat ça parle de dessous, c'est normal, c'était l'ambiance juste avant, on parlait de Bad. Mais là, on parle des cartes de Snap. Alors les mecs, nouvelle règle. On est d'accord que bah, déjà, si on a raté nos prédictions de la semaine dernière... On est nul, on mérite pas qu'on nous écoute, quitter cette vidéo. Quelque part, on peut ne pas avoir envie de changer. Mmh. Ouais, on est obligé de changer au moins une carte de chaque. Voilà, tu changes un petit peu. Ouais. C'est ça. C'est ça que j'allais proposer, c'est que pour s'amuser un peu, ce que je vous conseille, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que genre on garde un nerf un buff et qu'on change forcément un nerf un buff. Et celui qui a mis des points, on est obligé de garder. On n'est pas obligé de garder. On peut changer. Vous voulez on fasse tout changer, mais il faut minimum changer un. Et moi, je voulais demander un truc. Sur les 4, on changeait au moins un check. Est-ce qu'on est obligé de faire 2 up de nerf ou est-ce qu'on peut proposer, par exemple, 4 buffs ou 4 nerfs? Donc, on a vu que les OTR, au début, on pensait que ce serait 2-2, mais on a vu qu'ils font un peu ce qu'ils veulent parmi 4. En fait. Moi, je pense que oui, on propose 4 choses, c'est tout. Vous voulez, on propose 4? On peut proposer 4. Avant, on faisait 2 Volvi, on faisait 2 Volvi, pour moi, on a 4 slots. 4 shots, et on propose ce qu'on veut. Et on a vu, là, il n'y en a eu que 3. On a même le droit de proposer, il n'y aura pas de 4. Okay. Ou il n'y aura pas de 3. Si tu penses qu'il n'y aura qu'un seul changement, tu as le droit de proposer un changement et 3 blancs. Et les blancs, si c'est bon, tu as un point. C'est bizarre quand même. Bah ouais, mais à chaque fois, on propose 4. Non, alors on joue pas le blanc, on joue pas le point du blanc. On propose 4. Ok, on a pas de blanc. Non, sinon on va tous être en mode, je propose 2 ou 3. Et... Bah ouais, mais moi je peux proposer une nouvelle règle après, c'est qu'on essaie de deviner l'heure précise du patch. Ah ouais. Je suis pas sûr. Ok, bon bah alors on reste sur vos règles qui ont l'air plus marrantes. Allez. Merci. Bah vous savez quoi? Bah une fois n'est pas coutume, je commence. Ah d'accord. Et je l'ai vu ici et je me suis dit. Voilà. C'est quand même... juste parce qu'il a vu une bonne idée dans le chat et il s'est dit putain faut pas qu'on non je l'ai pas vu je l'ai pas vu dans le chat. Ok, tu l'as vu ailleurs. Ok, je colle qui te l'a soufflé depuis qu'elle joue à Marvel Snap. Oui, je colle le up de la tartiflette du coup. Nerf de The Hood. Ah ouais, un nerf. Alors nerf comment du coup? Que le démon il soit à 5. Oh non. Comment le mec il veut EP Cérébro 5 quoi? Mais non, il va encore nous gueuler une galette parce qu'on a nerfé Cérébro 6. C'est une des meilleures cartes, tu vois. Je trouve que c'est un des meilleurs T1, Hood. Il est vachement cool. Ouais, d'accord. Il y a Nebula qui voudrait te voir dans son bureau. Et il y a Iceman qui est pas loin derrière. Ok, je suis. On enchaîne. Vas-y. Vas-y, Trek. Moi, j'ai bossé mon sujet. Et j'ai trouvé que le jeu était relativement bien équilibré et je vais proposer que des ups cette semaine. Allez! Encore. Alors, les gars, quelqu'un marque, quelqu'un marque parce que moi j'oublie. Alors, on va faire des rounds. Je vais le mettre dans le chat, on fait des rounds de draft. J'ai préparé plusieurs ups du coup, avec des ups qui me feraient plaisir, des ups qui sont possibles et les ups un peu foufou qu'ils osent faire eux. Tu sais, des fois où ils up un truc en mode mais ça n'a pas de sens. Et je vais commencer par le up qui me ferait plaisir. Ça serait que Agatha soit un petit peu buffée. Parce qu'Agatha est cool, mais son random est quand même très négatif. Même si je pense qu'il y a des choses à faire actuellement à Agatha, ça me ferait plaisir qu'il la up un peu. Qu'elle soit 6-16. Carrément plus de points. Comme ça, elle vient concurrencer Orca, qui est devenue plus forte qu'elle. Et elle n'est pas contente. Mais c'est déjà la carte la plus jouée dans Marvel Snap. Agatha ? Ouais. Oui, mais il y a des tricheurs. Ça s'appelle les bots. Oui, mais c'est pas la question. Eux, ils regardent les analytics. Oui, mais dans les stats, c'est une des plus mauvaises du coup. Oui. Mais ça, par contre, c'est pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on joue les cartes. J'ai bossé les stats, tu les vois. Très bien. Et ben, du coup,
Moi, je vais proposer un truc un peu contre. Honnêtement, j'y crois pas beaucoup à celui-là, mais j'ai envie de paraître un petit peu. De paraître un petit peu méta. Je vais proposer un up de la puissance de Wong. Oh! Okay. D'accord. C'est vrai que Wong, on l'a plus vu. Hein. Voilà. Ok. Du coup Wong, tu mets quoi? Tu l'augmentes de 1, de 2? Je sais pas. Je pense, moi, je l'augmenterai que de 1, mais honnêtement, il mettrait Wong en 4-4. De toute façon, je ne serais pas choqué. On est d'accord qu'il faut juste citer la carte, même si on n'a pas exactement le up. Oui, bien sûr, on peut commencer à rentrer dans les détails. C'est pour le panache. Après, non, c'est pour le panache. Après, c'est le truc exact. Ok, pas mal. Wong, c'est pareil. Ça, c'est osé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Wong, comme quoi c'est OP. C'est juste que c'est des gens qui sont pas capables de le contrer, mais. Il y a des gens qui se plaignaient de. Qui se plaignaient de Luke Cage. Volvi, re à toi. C'est vrai que. Non, c'est dans l'autre sens après que ça. Ouais, tu peux faire dans l'autre sens. On peut briller, oui, bien sûr. C'est ça. Donc, Dan, du coup, relance. Alors, je vais tenter un truc. Alors, celui-là aussi, il est méta. Je suis méta ce soir. Ok, vas-y. Et je pense. Ah, bah non, mais c'est trop. J'allais dire Polaris va devenir 2-4, va devenir 3-4, mais en fait, j'y crois pas du tout. tu peux essayer. Je sais, mais j'y crois pas. Qu'est-ce que tu nous dis du coup? Je réfléchis. En fait, je sais pas s'ils vont buffer ou s'ils vont nerfer. Parce que pareil, je me dis. Ah, s'ils buffent Polaris, ce serait problématique quand même. Non, c'est pas buffer Polaris, mais. Sinon, mon autre idée, c'était nerfer Zabou en 2. Je veux dire ça. Nerfer Zabou en 2. D'accord. Alors, toi, t'es vraiment dans le mode faut nerfer. Tu parles de Polaris avant. Ouais, mais là, tu parles de Polaris, là, tu parles machin. Alors, moi, je continue avec mes ups. Donc, le premier up, c'est le up qui me faisait plaisir. Là, je vais parler du up foufou. Oh, le up foufou. Okay. C'est le truc. S'ils font, on va être en mode. Ah, oui, quand même. On avait déjà parlé quelque temps, j'avais déjà évoqué l'idée. Mais là, je vais le mettre carrément dans ma prédiction. C'est que Adam Warlock passe de 1. Ok, d'accord, ok. Adam Warlock, c'est une carte qu'on voit pas souvent, qui est pas mauvaise, elle a de l'intérêt. Mais le passage entre 2-0 et 2-1 est énorme. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Alors, dans le chat, concertez-vous et vous aurez le droit à vos 4 tours aussi. Hein. Bien sûr. Pas de problème, vous avez le droit. Sachez que vous avez le droit de partager des pics avec les streamers, mais c'est mieux si vous avez vos idées. Quand même. Ouais, c'est ça. Alors, on peut ne pas tout changer. Et du coup, j'ai envie d'en reprendre un que j'ai déjà utilisé la semaine dernière et qui me tient à cœur. Parce que vraiment, il faut. Parce que je trouve que c'est une des cartes les plus éclatées du jeu. Dazzler. Un buff à Dazzler. Genre, vous avez buffé Orca, c'était la carte la plus éclatée. Normalement, l'autre, elle est derrière. Non, en termes de stats, il y en a qui sont encore beaucoup plus derrière. Hein. En termes de stats, il y en a qui sont derrière Dazzler. Non, c'est pas possible. La carte, elle est horrible. Ah, bah, j'ai regardé aujourd'hui pour bosser. J'ai bossé, Volvi. Non, mais mec, c'est parce que Dazzler, elle est dans des decks. Mais sur quelle base d'infos? J'ai regardé sur Barrel Snap Zone. Tu connais ce site? J'ai regardé par Winrate, par Cube, par machin. Je connais ce site, mais bon, comme à chaque fois que je t'en parle, tu me dis que c'est de la merde et que t'écoutes pas les. Ah, je pense que c'est de la merde, hein. Je pense quand même que c'est de la merde, mais bon. Non, mais c'est juste pour savoir si vraiment t'es capable de te convaincre d'absolument tout et n'importe quoi quand ça t'arrange ou si des fois il y a un peu de logique, mais c'est bon, je me réponds. Non, du tout. Je te réponds de manière honnête. Je pense que. Mais cette carte, ça peut servir de base. Du coup, je repars dans l'autre sens et je pense que la carte est devenue un des staples de la semaine. Que les gens. Voilà, ça y est, elle est disponible. Peut-être. Un petit. Voilà. Y en a d'autres auxquels je pense avant. Hein, mais un petit nerfouné de stature. Petit nerfouné. Tu viens de le voir dans le chat. Ça triche, hein, vraiment. Ça s'accapare les trucs du chat. Au début, j'ai cru que t'allais dire Nebula. Je me suis dit, c'est un peu tôt quand même. Hein. Ah non, non. Parce qu'il a un petit carré rose autour de son message. Parce que c'est un first time chat. De ouf. Non. Est-ce pour que le coup, tu veux non, dire non. Comment est-ce qu'elle va être nerfée comme ça? Pour moi, moins un. Ou pas moins un de puissance, du coup qu'elle passe 5-6. C'est ça, ouais. C'est sûr, c'est une carte que j'aimerais bien avoir là, justement. Pour mettre dans mon agrégateur. Ok, du coup, la Volvi, tu redis un truc du coup? Bah non, j'en ai fait deux, c'est bon. Ah, c'était quoi la première que t'as juste avant? Le troisième tour. Le nerf d'avant. C'était Dazzler. Ah oui, t'as fait Dazzler, stature, pardon. À chaque fois, les deux de suite, tu rates. Ok. Dans les cartes vraiment éclatées, si on regarde au winrate,
ma vie, justement, il y a Crystal. Ah cette bah oui, Crystal. C'était la mienne, elle, c'était la semaine dernière. Je pense quand même, pourtant, moi j'y crois à Crystal. Et je la joue, moi, je la joue dans un de mes decks, Crystal. Je la joue en négatif, parce que je considère que c'est assez fort. Tu fais négatif, après tu fais Crystal, tu te repièges une nouvelle main et bouloulou, c'est parti. Mais bon, okay, okay, d'accord. Le fait est que les gens, ils y arrivent pas avec la carte. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on la fasse en 4-5 pour les aider un petit peu. Un petit point de stats. C'est pas la fin du monde. Maintenant, avec Iron Lad qui sort, de toute façon, on a dit que les stats de base sont cette 4-6. Ils nous ont montré qu'Enchantress. Donc peut-être même que Crystal sera 4-6, au point où on en est. Et du coup, moi, je vais finir le troisième tour en disant un petit buff de Spectrum. Parce qu'il faut bien rappeler à tout le monde que de temps en temps, vous avez quand même le droit de jouer ongoing. Tu penses qu'ils ne sont pas assez au courant en ce moment ? Il y avait quand même le Thanos ongoing qui était giga populaire. Non, là, depuis les buffs d'Enchantress, il n'y a aucun deck ongoing qui est très populaire. Oui. Mais le souci, est-ce que c'est vraiment Enchantress ? Non, le souci. Est-ce que, pardon, c'est que le souci, c'est vraiment Spectrum, je veux dire, pardon. Ah non. Non, mais pour moi, le souci n'est pas Enchantress non plus. Tu peux jouer Cosmo, tu peux jouer des choses dans le deck. Pour moi, le souci, c'est que le buff d'Enchantress a rappelé à tout le monde qu'il y avait Enchantress. Du coup, il faut faire l'inverse. Il faut rappeler à tout le monde que ongoing, c'est pas si mal. Ouais, ouais, mais le souci, c'est que là, t'arrives dans un book de power creeping. En mode, tu sais, t'essaies de rééquilibrer, mais à chaque fois, tu redécales un petit peu vers le haut. Tu me faisais pas le buff d'Enchantress, j'avais quand même envie de buffer Spectrum. Hein. Mais du coup, paf, the pick is in. Et donc, dernier tour de draft, je choisis... Jones. Pardon. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais choisir ? Là, c'est dur. Là, on est sur des trucs. Là, ça gratouille. Je vous avoue, moi, je trouve que Dark Oak, il est trop fort en ce moment. Mais je sais pas comment nerfer Dark Oak. C'est pour ça que j'ai pensé à Zabou. Dark Oak, que tu trouvais pas OP quand il est sorti, alors qu'il était déjà plus fort. Et là, tu le trouves maintenant encore trop fort. Du coup. Bah, à l'heure actuelle, Korg, Zabou, Dark Oak, Rock Slide, c'est partout. Hein. Oh là là! Étonnant! Ah, ça va, t'as eu raison 5 mois plus tard. À un moment, il faut bien que ça se passe. Hein. Non, dès le début, c'était déjà comme ça. Non, les gens n'avaient pas la carte. Et à l'époque, Dark Oak se suffisait à lui-même s'il était 4-7 de base. Non, que 4-6. La stat Iron Lad, tu vois. Par contre, ce package-là, avec Iron Lad qui sort, oui, il est encore mieux du coup. Oui, là, c'est stupide. Donc peut-être que ton truc pourrait être malin dans le sens où ça tombe à un moment où il y a une carte qui va renforcer de ouf l'archétype. C'est pour ça que j'aimais bien le petit nerf de... Bah, j'ai déjà dit le nerf de Zabou. Bah, tu peux être en mode patch full énervé sur ça. Et ce qui est bien, c'est que mais en, vrai, je en tapant demande... sur plusieurs trucs de l'archétype, t'as peut-être des chances d'avoir un juste, justement. Mais je me demande si... Alors là, c'est vraiment... Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas moyen de faire, que Dark Oak soit la même chose que Dino? Et du coup, ils le passent à 5. Et ils en font une 5-2 ou une 5-3. Et comme ça, il casse un peu le truc avec Zabou. Et notamment, voilà, il casse, ça casse un peu avec Zabou, mais ça reste un très gros finish, du coup. Ça reste un très gros finish. Oui, mais tu casses le Dark Oak Rock Slide OT6, ou le Dark Oak Enchantress, ou le Dark Oak Shang-Chi, tu casses tout ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Du coup, toi, tu penses que ça serait le passage à 5? Ben ouais, mais c'est pas juste un passage. En 5-0, c'est pas... Je pense que ça va être... Ouais, mais ils peuvent changer plusieurs numéros en soi. 5-2, ça pourrait être, hein. Genre en mode, on l'augmente de 1, mais du coup, on lui fait un palier en plus. Tu valides ça du coup, Dan, ou pas? Et je sais pas, parce qu'il y a Jizé qui dit le duel Dino Dark Oak est fini, Dino sera beaucoup plus fort. Bah non, voilà. Pas d'autre. De manière générale, les dinos sont plus gros que Dark Oak. À moins d'un abus avec un site, un truc. Oui, mais parce qu'il coûte 4. Moi, pour moi, s'il le passe à 5, il aura de la puissance de base. C'est aussi ça. Bah tu nous dis. Mais je réfléchis, mais après les gens là, ils... les gens vont râler si un. Non, mais de toute façon, comme on a dit. Putain, ils ont des arguments aussi, là, ils sont chiants. Comme on a dit, au pire des cas, c'est pas grave si t'as pas le modification exacte. Tu peux juste dire tu mets Dark Oak dans ta liste. Et eux, ils ont montré les devs qu'ils sont foutés, hein, que la carte était modifiée. Hein. Genre hashtag le collector, pile au moment où t'as le gros pack. Hein. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je regarde. C'est quoi le pack de cette semaine? Oh, j'avoue. Oh là là. Ça joue méta. Ah ouais. Ah, moi je suis là. Moi j'essaye, je trouve des trucs, tu vois, j'essaye d'apporter un petit côté, tu vois, un petit côté esthète là. Et là il y a des méta slaves là, on voit. Spoonful of sugar.
Moi j'ai déjà le mien, le dernier. Ah moi aussi j'ai le mien. Allez-y, moi je reviens. J'attendais que Den est fini quoi. Ah bah non, tu vois, on fait okay. on fait un truc, tu vois, genre. Attends. Portables, Den. Ok, bah je suis en train de. Choisis quoi. Y'a rien. Can you feel it? Bah reste son Dark Rock, c'est pas grave. Ouais, si tu le sens pas, tu le sens pas quoi. Bah c'était pour tout changer, sinon moi je pense toujours que Wave doit prendre un truc, mais ils sauront pas la changer Wave donc. Ils peuvent baisser ses stats hein. C'est le truc le plus simple quand ils savent pas trop. Ouais, ils pourraient faire de Wave une 3-2. Hein. Ouais, Wave ou Dark Oak, Wave ou Dark Oak. Allez, je vais garder mon Wave. Allez, je garde mon Wave. Et du coup, c'est à Trécor. Tu gardes ton Rive? Mon Wave. Ah, ton Wave, d'accord. Parce que moi, je pensais que tu gardais ses Dark Oak, parce que Wave, tu l'as dit après. Ok. Oui, mais Wave, c'est ma semaine dernière. D'accord, Wave. Alors, moi, j'ai pas mal hésité pour le dernier slot, parce que des cartes éclatées, il y en a plein. Ouais. Hashtag Okai, hashtag Medusa, catastrophique, et qui n'ont aucun sens dans le jeu, vraiment. Ouais. Pas pour les jouer. Mais je pense qu'ils y toucheront toujours pas. Encore attendre un petit peu. Ok. Et je pense que c'est un revert et qu'ils vont remettre Sunspot en 1-1. Oh là là. Parce que ce pauvre Sunspot, en plus avec Nebula, vraiment, il est éclaté. Je pense qu'il est. Alors, on le voit encore un petit peu, mais qu'il est nul, vraiment. Je pense que She-Hulk lui avait déjà fait super mal. Et que là, ils peuvent se permettre de le remettre en 1-1 parce qu'il y a un autre T1 qui fait de la grosse concurrence. Ok, du coup, un espèce de retour. D'accord, ouais. Pourquoi pas. Kiriver. Ok. Eh bien, moi, j'en ai un. J'ai pensé à. Genre. Une heure juste après d'avoir posté la vidéo. Juste après que quelqu'un l'a écrit dans le chat. Non. Plaisant, tu plais. Tu te calmes. Alors, attendez, je vais le trouver là. Je parie sur un buff. De Nimrod. C'est beau. Parce que je trouve que on a, tu vois, on a Nebula, elle est vachement forte. Hitmonkey, c'était vraiment bien. Même voilà, on le voit, on a des trucs, tu vois, c'est vraiment une bonne carte. On a eu du Zabou, on a eu du Surfer, on a eu plein de cartes bien. Même Modok, il est, tu vois, il est sympa. L'archétype est pas ouf, mais des fois il te fait des trucs de ouf et t'es là, tu fais ah putain, ouais, quand même. Mais je trouve que Nimrod, il a parmi toutes les cartes de Battle Pass. Il a eu un peu de mal à trouver sa place, il trouve mal sa place, même quand il est joué, c'est pas genre le truc où tu te dis incroyable. Du coup, je me dis, peut-être un petit buff de Nimrod, un petit bois en plus, tu vois, par là. J'aime beaucoup la blague de Jgui, je le dis. Sur un buff de Elko, je valide beaucoup. Il est pas mauvais, hein, le Nimrod, hein. Je pense qu'il a pas, en effet, il a pas eu son heure de gloire. Je suis d'accord avec toi, mais je pense quand pas il qu'il est joué. Mauvais. Quand il est joué, il est vraiment pas mieux. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'il avait pas trouvé sa place et qu'il avait été peut-être moins apprécié. Et que juste si tu fais un tout petit buff, tu vois, genre le passer en 4, je pense que c'est trop gros buff. Je pense que juste tu mets un point de stat en plus, les gens vont le tester, ils vont se dire bah attends, c'est bien quand même ça. Si tu le mets en 4, t'en fais une 4-4. Tu vois ? 4-4, c'est ok. Hein. Tu lui mets juste un point de plus, ça peut partir en jbeul. Du coup, 4-5, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être fort quand on a deux tours pour péter ça. Nimrod 4-5, on va avoir des Docteur Doom vibes. Hein. Oh, moi, je me suis pris des Galactus déjà où le mec il avait calculé le truc poupé deux fois. Du coup, t'es en mode wash. Ok, aléatoire en fait, c'est on pas calculé. On va réussir à la faire tenir en dessous des 20 minutes. On refait le récapitulatif. Du coup, moi j'ai call nerf. Sur Hood, buff sur Nimrod, buff sur Dazzler et nerf sur Stature. Je vais te faire le récap. Au premier tour, tu as dit nerf du démon de Hood. Oui. Trek a dit plus 2 de puissance à Agatha. Oui, non, mais Den, tu vois, c'était plus simple parce que va lui faire comme ça à la fin sur la zone re-regarder. On a à la fin. Le récap de fin et on a les 4 cartes. Voilà. Du coup, ça, c'est mes 4 cartes, les 4 cartes de Trek. Moi, mes 4, c'était Up d'Agatha en 6-16, Crystal 4-5, Adam Warlock 2-1 et River de Sunspot 1-1. Ok, et Den, tes 4 cartes. Et moi, du coup, c'est Buff de Wong, Zabou devient 2-1, Spectrum est buffé et Wave perd un peu. Ok, ben voilà, c'était les prédictions. On va voir qui va marquer des points.
Pour l'instant, je suis en tête. J'espère garder mon cookie. T'es en tête. J'ai deux questions à vous poser, les gars. Question numéro 1, c'est on a dit qu'on faisait ça que sur les OTA. Oui. Qu'est-ce qu'on fait s'ils annoncent à la fin de mai que les OTA deviennent permanents? On finit comment? On finit quand? Alors attention, le cookie, c'est parce que c'était un mois. Il peut y avoir un cookie par mois. On peut être sur 12 cookies. Donc on est sur... Alors c'est un mois ou c'est une saison? On est sur les saisons. On est sur les saisons. Tu vois, si c'est 5, c'est 5. Tu vois, parce que, bah oui, mais parce que il y a un jeudi, c'est le 1er juin. Non, on est sur la saison. On est sur la saison, okay. Tu vois, on a fait premier truc de la saison, on va faire deuxième, troisième, voilà. Alors attendez, ah, on a le chat. Alors le chat, c'est maintenant. Si vous voulez valider vos propals, c'est maintenant, les gars. Son tout a été inscrit. Il y avait le chat sur la vidéo. Donc on pourra vérifier. Donc non, mais là maintenant, mettez-le maintenant en fait, comme ça, c'est le moment où on va aller checker les recaps. On va aller checker la fin de la vidéo. Ouais, vite les gens, c'est le moment pour devenir célèbre. Essayez de libérer le chat. Prendre la place de truc. Par exemple, on a Nkalt qui dit OK, qui devient 0-2. Kingpin détruit les cartes déplacées ici au tour 5 et 6. Alors ça, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver dans un OTA. Nerf, David Dino devient 5-2. Patriot devient 3-0. Le Patriot, je peux le voir. Je pense pas que ce soit le bon moment. Mais je peux le voir. Et ensuite, t'as dit quoi, Trek pour prendre ma place? Hein? Non. Non, mais t'as vachement pris la confiance depuis que tu dis n'importe quoi et que par hasard tu tombes juste. Jamais osé dire ça quand même. Non, mais y a pas de problème. Ça serait pas gentil. Olivier, on te laisse conclure. Non, mais regarde, je laisse un petit peu de temps. Je laisse un petit peu de temps au. On rappelle aux gens, on peut pas modifier le texte des cartes. On peut modifier que les chiffres dans les OTA. Voilà. Et le coup, 4-7 pour la blague. Disent, on aura des cookies. Moi, je suis d'accord que si le chat nous bat tous les trois. Bah, le chat peut avoir un cookie, vous le partagerez entre vous. Voilà, on partage un cookie. Hein. Vous êtes quoi? 75? Bah, on va essayer de vous trouver un cookie où il y a assez de pépites. Nerf stature, modification texte en ajoutant si au tour précédent. Ce n'est pas possible. Alors, attends, pas faire je ça. Valide le buff de Nick Fury. Wender qui propose un seul buff. Très bien. Le buff de Nick Fury, pourquoi pas, c'est vrai qu'en plus tu vois ça peut en vrai Nick Fury en 5-8 mérite hein. Ouais, mérite c'est pas con. Ok, ben écoutez, on va laisser le temps. Merci à tous de nous avoir écoutés, bien entendu. On espère que vous serez là pour tenir les comptes. On vous fait des gros poutous et on espère que vous kiffez cette petite nouvelle séance de vidéo test, etc. où on essaye de prédire ce qu'ils ont dans leur tête de développeurs foufou. Des gros poutous et à très vite sur Marvel Snap, bien entendu. Salut. Au revoir. Des bisous.